Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble ce cours de Pilates Flow Focus bas du ventre. Moi, c'est Alou, je suis coach sportive diplômée d'État, instructeur de Pilates certifiée et j'ai créé Body by Alou comme ma méthode de bien-être 360 basée sur le Pilates et qui mixe aussi plein d'autres disciplines, du cardio, du renfort, de la barre, du stretch, plein de belles choses pour que tu puisses tout simplement avoir un maximum de bien-être en direct de ton salon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce Pilates Focus bas du ventre, même si l'idée, c'est pas forcément de cibler, mais aussi de bouger, de se faire du bien, de respirer. On va quand même se focus un petit peu sur les abdos profonds et cette zone du bas du ventre qui m'est beaucoup demandée. Mais l'important, c'est de bouger au quotidien, de se faire du bien avec bienveillance et amour de soi. Sur ce, si le cours t'a plu, n'hésite pas à nous rejoindre sur le studio. On est une super communauté très bienveillante. Il y a plus de 300 cours, 15 programmes différents aujourd'hui que tu peux faire en direct de ton salon absolument quand tu veux, où tu veux. Je te dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On va déjà prendre une grande inspiration. Prendre l'espace et expire profondément par la bouche. Et inspire. Prends plein d'espace dans ton corps, absorbe ton centre et expire. Et encore une fois, commence à creuser le bas-ventre, engage ton périnée et expire. Et une dernière, inspire et là sur l'expire doucement, on va venir enrouler la tête, enrouler tout le corps jusqu'en bas. Prends le temps de tout relâcher, fléchis les genoux et relâche complètement ta tête. Relâche ta nuque, tu peux faire quelques petits mouvements de tête et garder les jambes fléchies pour le moment. Vraiment le sommet du crâne qui pointe vers le sol, en total relâchement. Inspire profondément, expire et remonte vertèbre après vertèbre en déroulant tranquillement, tranquillement, tranquillement. Yes, en replaçant super bien. Roulez ici un petit peu les épaules vers l'arrière. 4 et 3 et 2. Et un vers l'avant, commence à penser à ton centre, ton périnée, tes abdominaux. On relâche ici le milieu et on vient tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Donc comme si tu te retenais d'aller aux toilettes et tu veux engager donc le périnée et les abdominaux en cherchant à créer ce scoop légèrement vers l'intérieur et vers le haut. Ce léger creusé vers l'intérieur et vers le haut. Ça va permettre vraiment de créer cette gaine, cette ceinture abdominale, tu vois, qui vient t'englober et qui vient te lifter, devenir ce centre puissant. Ça va, là, on va voir le tourner. On reste ici milieu, on regarde en bas et là-haut. Yes, ouvre les épaules, donne de l'espace. Magnifique, une dernière fois en bas. Une dernière fois là-haut, parfait. Et on va juste ici faire un petit pas à droite, un petit pas à gauche. En même temps, on vient rouler un petit peu les épaules. Parfait. Donc c'est pour aller mobiliser un petit peu tout le corps, réveiller et se mettre en condition pour justement travailler musculairement ensuite plein de belles choses. Yes, 4 et 3, super, 2, le dernier, on relâche ici les bras, très bien, et on va juste venir chercher devant et devant, et tu souffles, et tu souffles, et prends conscience encore une fois ici de tes abdominaux, sur l'expire, tu viens creuser et chercher à engager un peu plus. Yes, on a donc la jambe au loin. Parfait, comme ça tout le corps se réveille, tu vois. Très bien. Et 4, et 3, et 2, et 1. Magnifique. On marche ici, centre. Très bien. Et tu vas pouvoir rester ici sur tes appuis. On va venir inspirer, expirer, monter les bras au-dessus de la tête. On réinspire. Et sur expire, tu viens rejoindre le coup de genou, mais uniquement grâce à tes abdos. Ici, ton bas de ventre, tu veux vraiment le creuser vers l'intérieur. Et c'est lui qui monte, qui vient créer cette connexion entre la cuisse et les bras. Et tu inspires et tu souffles. Tu inspires, vide l'air. Pense, étire et je rapproche. Étire et je connecte. Vide l'air ici, connecte. Magnifique, ça encore pour 8, pour 7, donne de l'espace, creuse le ballon en soufflant, yes, très bien, encore, 4, 3, super, 2, parfait, souffle, le dernier, on va rester à droite, tu souffles,
On va fléchir un petit peu la jambe de terre, arrondir volontairement le dos pour creuser encore plus ici le bas-ventre. Engagé. Inspire, tu viens chercher devant, expire. Inspire, expire, focus ici. Yes, inspire. Focus, vide l'air. Garde tes épaules basses, inspire. Expire, c'est ça. Encore pour 4, essouffle. Très bien. 3, essouffle. Super. 2, essouffle. Creuse. Dernier, souffle. Creuse. Reste ici, place les mains derrière la tête, donne un peu plus d'espace à tes jambes. On vient inspirer, ouvrir les côtes en 3 dimensions. Expire, creuse le bas ventre et viens te refermer vers l'avant. Inspire, lift, 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 creuse le bas ventre, expire profondément. Inspire, grandis, expire, exagère ta respiration. Expire. Super. Encore 4. Creuse. Pense à ton périnée. Lift. Yes, c'est ça. Encore 2. Et souffle. Absorbe. Là, on a le droit d'arrondir le dos. Ce qui est rare. Expire. Magnifique. Relâche ici. On repart de l'autre côté. On va ici étirer les bras au-dessus de la tête. Inspire sur l'expire. On arrondit en absorbant le bas-ventre. On fléchit légèrement la jambe de terre. Inspire ici, touche le sol. Expire, absorbe. Inspire, touche le sol. Expire, absorbe. Inspire ici, creuse, cherche à lifter. Expire. Magnifique, encore pour 4. Inspire profondément. Expire. Pour 3. Et creuse. Pour 2, et creuse, le dernier, et creuse, super, relâche ici, réouvre une nouvelle fois, on va replacer les mains derrière la tête, fléchis un peu sur tes appuis, ça permet d'être bien ancré, connecté dans le sol, on inspire, expire, absorbe, on va aller au sol après, inspire, lift, expire. Exagère la respiration, tu vas voir que ça va t'aider. Et expire. Absorbe. 4 fois. Lift, expire. 3 fois. Expire. 2 fois. Expire. Dernière fois. Vide l'air, absorbe. Et relâche doucement. Magnifique. On a ici roulé un petit peu les poignets. En même temps, on a activé profondément la respiration. Ça fait partie aussi du process pour mettre en route le corps, l'organisme. Très bien. Et on va venir ici inspirer. Bras au-dessus de la tête. Expire, roll down. Chaque vertèbre s'ouvre. Chaque vertèbre creuse le bas-ventre, creuse le bas-ventre, creuse le bas-ventre. Magnifique. Avance sur le sol dans une quadrupédie. Le mot savant pour dire quatre pattes. Avec les genoux qui sont restés au-dessus du sol. Mais oui, bien sûr. Donc tu as les épaules au-dessus des poignets. Tu presses dans le sol en absorbant ton centre. Si c'est trop difficile, tu peux garder les genoux au sol et te focus juste sur la sensation des abdominaux que tu veux connecter un maximum en pressant dans le sol. On va inspirer. Et sur l'expire, tu viens serrer le ventre encore plus. Vide l'air, engage ton périnée, serre ton bas-ventre, serre ton bas-ventre, serre ton bas-ventre. Yes. Puis sur la prochaine, inspire. Tu déposes doucement les genoux sur le sol. Sur l'expire, tu presses en absorbant le centre encore plus. Inspire, pose doucement. Sur l'expire, tu presses en absorbant le centre. Yes, c'est ça. Imagine que tu as un verre d'eau posé sur le dos et tu veux absolument pas en perdre une goutte. Si jamais tu as mal au poignet, tu peux te mettre sur les poings. Tu peux rouler ton tapis pour avoir plus d'épaisseur. Très bien. Sur les avant-bras pour celui-ci, c'est possible, mais ce n'est pas l'idéal pour celui-ci. Mais c'est possible si jamais tu préfères. Tu inspires. Expire, creuse le bas-ventre. Allez, va chercher le bas-ventre. Inspire. Expire, creuse le bas-ventre. Allez, deux fois encore. Inspire.
Expire, creuse bas ventre. Magnifique, le dernier. Inspire, creuse le bas ventre. Et doucement pose. Pose les fessiers sur les talons. Allonge les bras long devant. Ici, masse un petit peu à droite, à gauche. Très bien. Puis on va dérouler vertèbre après vertèbre. Posez les fessiers sur le sol et placez tes jambes devant. Très bien. On attrape ici les cuisses et on vient vraiment se grandir. Roule tes épaules vers l'arrière. Donne de l'espace. La nuque longue. Inspire. Et sur l'expire, absorbe le ventre et déroule doucement vertèbre après vertèbre. Une fois que tu es complètement installé, tu vas pouvoir inspirer. Sur l'expire, monte les jambes droites en tablette. Et inspire. Et sur l'expire, jambes gauche. Ici, on va avoir la position neutre au niveau de ton bassin, de ton dos propre au pilates. C'est-à-dire qu'on va ni plaquer les lombaires sur le sol, ce qui provoquera un raccourcissement ici des psoas. Ni relâcher le ventre vers l'avant, donc ni être en complète rétroversion, ni en antéversion. On veut être neutre, garder sa courbure naturelle, avoir les abdominaux déjà très très actifs. En fait, tu dois limite là déjà le sentir à fond, alors que entre guillemets on est en train de faire un peu, on est en fait en train de faire beaucoup, et c'est toujours un peu ça la subtilité. Tu vas inspirer en touchant le sol vers l'avant, souffler, ramener, et c'est vraiment le bas ventre ici qui vient t'aider à ramener. Tu creuses sur l'inspire, tu creuses encore plus sur l'expire. Tu creuses sur l'inspire et tu creuses encore plus sur l'expire. On veut essayer de relâcher un peu les grands droits, la couche superficielle des abdominaux, même s'ils travaillent aussi bien sûr en synergie. Et on veut aller chercher plus profond, on va aller chercher sous ça, le transverse, le périné, le plancher pelvien, tout ce qui compose tes abdominaux profonds et qui vont justement cibler ce bas-ventre. Respire profondément. Essaie d'être le plus stable et précis possible. Yes, c'est super ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Si jamais ça te fait mal au dos, tu relâches. C'est que ton endurance abdominale va se créer petit à petit et tu reprends l'exercice, d'accord ? Le but, c'est bien sûr de ne pas se faire mal. Très bien. Et encore, inspire, expire, inspire, expire. Une dernière fois à gauche, expire. Si tu peux, tu restes ici dans la position, sinon tu relâches quelques instants contre toi et tu reprends la posture. Ici, on va venir allonger les bras vers le plafond. Tu inspires en étirant les bras derrière toi. La jambe vers le sol, très très longue, on souffle, on ramène. Inspire, creuse le bas ventre, souffle, ramène. Inspire, creuse le bas ventre, souffle, ramène. Très bien ça, inspire. Creuse ton bas ventre, souffle, ramène. Oui, très bien, encore pour 6. Creuse, 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 souffle profondément, ramène. C'est très bien ça, 5 fois. Yes, 4 fois. Super, 3 fois. Très très bien, 2 fois. Garde 90 degrés au niveau de la hanche. Dernière. Super, on relâche ici les genoux contre soi. Très bien, on va faire une petite transition ici. Tu croises les jambes. Hop, avec élan, tu viens te redresser et passer les mains ici devant toi, puis décroiser les jambes et te replacer éventuellement sur le tapis si tu t'es arrivé très très loin dans une autre galaxie. Magnifique. On va venir ici une nouvelle fois. Pousser dans le sol, crocheter les orteils. Inspirer sur l'expire, on se retrouve dans notre quadrupédie qui vient chercher le bas-ventre. Et on va venir allonger la jambe droite loin et creuser ici le bas-ventre pour ramener. Inspire au loin, si jamais c'est trop dur, tu fais avec genoux au sol. Creuse bas ventre. Et 4 fois. On cible aussi la fesse. Hein. Et 3 fois. Creuse bas ventre. Vide l'air. 2 fois. Creuse ton bas ventre. Dernière fois. Creuse le bas ventre. Magnifique. Pose doucement le pied. Pose les genoux. Très très bien. Relâche les pieds. Et cette même jambe va venir une nouvelle fois, donc jambe droite, s'étirer loin vers l'arrière. Tu gardes tes deux hanches
face au sol. Reste bien stable, on allonge le bras opposé, donc le bras gauche normalement. Tu souffles en arrondissant volontairement et en cherchant à creuser un maximum ici bas ventre. Tu inspires en étirant. Essouffle, creuse. Inspire, étire. Souffle, creuse. Inspire, étire, le dos très droit. Super, ça encore 4 fois. Et étire au loin. Garde les épaules basses 3 fois. Et étire au loin. Super. 2 fois. Étire. Yes. Dernier. Creuse. Étire au loin. Doucement. Repose. Yes. On relâche un petit peu les bras. C'est magnifique ça. Et on reprojette les orteils pour inspirer. Sur l'expire. Soulevez ici grâce aux abdominaux. Tu viens allonger la jambe gauche. Ramenez sur l'expire. Creuse bas ventre. Inspire. Expire. Et 4, allez courage, je sais que ça picote. Hein. Et 3, yes, creuse. Et 2, magnifique, creuse, 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 creuse. Dernier, essouffle. Pose doucement le pied, pose doucement les genoux sur le sol. Et ici, on réallonge la jambe loin vers l'arrière. Hop, dans l'air, garde tes hanches bien face. Pas d'overcambrure ou quoi que ce soit, on allonge la colonne. Yes, le bras droit en opposition, tu souffles. Creuse bas ventre, inspire, étire. Essouffle. Inspire, étire. Essouffle. Arrondis volontairement le dos, on a le droit. Ici, yes. Encore, essouffle. Super, la dernière, souffle. On allonge et tire-toi et pose doucement. Super, pose les fessiers sur les talons, allonge les bras. Respire, puis déroule la colonne. Une nouvelle fois, on pose les fessiers sur le sol. Pivote tes jambes devant toi. Et c'est parti ici. On va venir dérouler une nouvelle fois, vertèbre après vertèbre. Super, on ramène ici. Une nouvelle fois les deux genoux à 90 degrés. Donc ils sont parallèles pour le moment. Et ici, relâche les bras de chaque côté. Tu peux même être très actif au niveau des mains sur le sol. Et on va venir souffler en ramenant les genoux vers soi. Inspire, tu déroules vertèbre après vertèbre. Contrôle, aucun élan. Souffle. Donc tu veux faire vers toi et vers le haut. Comme si tu suspendais tes hanches. Quelques instants vers le plafond, c'est super sympa. Expire profondément, utilise toute la force que tu peux avoir. Yes, c'est super ça. Encore 4. Absorbe le centre, magnifique. Encore 3. Aucune tension dans le visage et dans le haut du corps. Oui, 2. Contrôle. Yes, dernière fois. Super, reste ici, viens ouvrir ici les genoux vers l'extérieur, à peu près largeur de tes épaules et tu gardes tes pieds connectés. Et on repart ici en position de diamant, bien. Tu souffles et tu déroules vertèbre après vertèbre. Et souffle et déroule, magnifique, encore pour 6, et déroule vertèbre après vertèbre, très bien, 5, et déroule, super, 4. Déroule, très bien. 3. Déroule, magnifique. 2. Et on déroule, dernière fois. On déroule, c'est super ça. Reste avec moi, on repart ici. Parallèle, on va ajouter un petit mou. Ici, tu vas venir souffler. Doucement ramener et toucher le sol avec ton pied droit. Vraiment avec contrôle, c'est super ça. Et tu souffles. Doucement, tu déposes et c'est gauche. Tu creuses le bas-ventre et tu ramènes. C'est très bien. Et vers toi. Déroule vertèbre après vertèbre. Inspire, expire. Et souffle ici. Vilaine. Déroule et gauche. Touche. Yes, c'est ça. On fait avec contrôle. C'est vraiment comme ça que les abdominaux se construisent, ton endurance. Yes. Magnifique ça. Tu me diras. Comment tu sens tes abdos après ça? Hop, et on déroule.
fait ça. Et tu touches. Ok, on reste dans la position. N'oublie pas que tu prends une pause à tout moment. Micro-pause et on repart. On repart ici en ouverture au niveau de tes épaules. Et on va venir toucher sol en ouverture. Tu ramènes. Touche sol en ouverture. Et tu ramènes. Donc vraiment, les genoux qui restent orientés vers l'extérieur, tu vas voir que ça va chercher tes abdominaux un petit peu différemment que lorsqu'ils étaient parallèles. Yes! Je vous fais les signes de la circulation en même temps. Hop, droite, hop, 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 mon Dieu, vous perturbez. Allez, on souffle et on inspire. Et tu souffles, tu vides l'air. Comme moi, je parle beaucoup, je donne des consignes parfois, vous m'entendez moins respirer, mais vraiment, reste focus sur ce qui se passe. Yes, inspire. Creuse, expire. Périnée, lift, bas du ventre. Yes, c'est très bien ça. Relâche bien ton haut du corps. Vide. Inspire, pense à cette gaine qui se resserre. Inspire, la gaine se resserre. Inspire, ouvre, la gaine se resserre. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois. Super, referme les jambes, relâche ici. Vers toi, masse un petit peu à droite, à gauche. Et on repart dans notre transition. Pam, pam. Hop, la galipette. Et on se retrouve une nouvelle fois en position quadrupédie. C'est très très bien ça. Et tu vas venir donc inspirer, expirer, creuser bas ventre, lifter. Tu viens étirer jambe droite, étirer jambe gauche. Tu es en planche. On ramène, on ramène. On étire, on étire. Puis c'est gauche qui revient et droite. Et c'est gauche qui s'étire, droite. Et on repart. À chaque fois, tu changes de jambe qui démarre. Ok, n'oublie pas que tu peux être en appui sur les poings, éventuellement sur les avant-bras. Yes. Et au loin. Et au loin. Encore. Et au loin. Et au loin. Et allez, courage, je sais que ça chauffe. Garde les épaules basses, la nuque longue. Yes. Encore. On y est. Parfait ça. Hop. Hop. Au loin. Au loin. Et hop. Et hop. Allez, courage, je ne m'abandonne pas. Ouh, dernière fois, gauche. Yes. On étire. Ok, pose doucement les genoux. Pose les fessiers sur les talons. Relâche. Déroule vertèbre après vertèbre. On y est, tu restes avec moi. Crochette les orteils. Ici. Une nouvelle fois, on s'étire. En planche, tu ramènes genou droit, creuse le bas-ventre un maximum, approche-toi du sol, creuse et éloigne la jambe. Gauche, sol, creuse, éloigne. Droite, sol, creuse, éloigne. Gauche, sol, souffle, éloigne. Droite, sol, souffle et gauche. Sol, souffle, yes, droite, on y est, ouh, souffle, magnifique, gauche, sol, souffle, et pose doucement les genoux, pose les fessiers sur le sol, inspire profondément, expire, déroule vertèbre après vertèbre, ok, une nouvelle fois, on pose les fessiers sur le sol, et on s'installe, ouh, assis sur ces disques, donc les petits os dans les fessiers, étire-toi vers le plafond. Expire doucement, déroule vertèbre après. Super, on va partir ici. Les jambes, cette fois-ci, tendues vers le plafond. Si tu ne peux pas les tendre complètement, c'est pas grave, tu restes micro-fléchi. Garde les disques, les petits os dans les fessiers qui regardent le sol. Et on est parti pour inspirer. Souffle et ramène, donc tu viens toucher presque le sol. Souffle, ramène. Et inspire, creuse la ventre. Souffle, ramène. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Yes, encore. Et souffle. Super, ça pour 6. La jambe longue, longue, longue. Focus sur ce qui se passe au niveau des abdos. Très bien ça. Et 4. C'est normal si ça tremble, hein, ça tétanise. Et deux, souffle.
Yes, très bien. Encore pour 6. Super, ça. Et encore pour 5. Absorbe ton centre. Très bien. Pour 4. Vide l'air, absorbe avant. Très bien. 3. Très bien, ça. Et 2. Super. Dernier. Suspend. Et doucement déroule. Ramène les genoux contre toi. Dernière petite transition. Hop. On se réinstalle. Quadrupédie. Commence à connaître notre petit atelier de cirque. On change de position. Ok, crochette les orteils. Ici, tu roules les épaules pour vraiment avoir de l'espace. Absorbe le centre une nouvelle fois. Tu es soulevé au-dessus du sol. Tu décolles le genou droit qui vient chercher. Coude gauche, coude droit dans un cercle. Tu poses le pied, puis c'est gauche. Coude droit, coude gauche. Et tu poses. Donc, souffle. Et tu souffles. Et tu souffles. Pense à creuser bas-ventre. Yes, encore. Magnifique. Super ça. Allez, c'est dynamique. Encore. Yes. Allez, 4. 3. 2. Le dernier. Pose doucement. Pose les fessiers sur les talons. Allonge les bras. Prends une grande inspiration. Expire. Parfait. Et viens t'installer, tout le monde, sur les avant-bras, dans une jolie planche. Donc déjà, on forme notre cadre. Coude sous les épaules. Main bien à plat dans le sol. Tu allonges une jambe, puis l'autre. Super. On absorbe le bas-ventre. Donc on n'est pas ici cambré, on n'est pas complètement arrondi. Voilà, le juste milieu toujours. Super. Et on va venir souffler en liftant un peu plus, en cherchant à creuser le bas-ventre. Inspire doucement, tu te replaces dans ta planche. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles, creuse, creuse, creuse. Allez, périnée, plancher pelvien, bas du ventre, souffle. Et creuse, ramène. Et 7. Super ça. Encore. 6. Allez, on est ensemble. 5. Très bien. Encore. 4. Super courage. On y est. 3. On prend le temps pour vraiment creuser. Yes. 2. Super. Le dernier. Et on pose doucement. Pose tes genoux. Pose les fessiers sur les talons. Pose la tête sur le sol. Et relâche les bras de chaque côté de ton corps. Ouh, magnifique ça. Relâche la tête. Relâche tout. Relâche tes épaules. Magnifique. Prends l'inspiration. Expire doucement, déroule. Yes, c'est super. Ok, place les mains sur le sol. Ok, ici, roule les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Étire tes abdos. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire dos rond. Super. Inspire dos creux. Expire dos rond. Et neutre. Super. Déroule vertèbre après vertèbre. On s'installe en position à genoux. Soit tu peux te mettre direct debout si c'est pas confortable pour toi. On inspire, on ouvre ici. On expire. Attrape ton bras droit. Hop. Soit le bras, soit l'avant-bras. Abaisse ton épaule et on vient étirer ici. Relâchez un petit peu les tensions dans les bras, dans les épaules. Grande inspiration. Expire. Super. Abaisse ton épaule. Très bien, relâche tout. Très très bien. Ok, inspire. Expire.
Super. Une jambe devant toi. Sûr de toi. Pousse dans le talon. Inspire. Expire. Hop. Décolle. Très très bien. Ouh, on se sent bien gainé. Inspire. Expire. Relâche tout. Relâche ta tête. Très bien. Sens comme tu es délié au niveau de la colonne, au niveau de tes hanches. Et inspire en bas. Expire, déroule. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et une dernière inspiration ensemble. Expire. Magnifique. Et un grand bravo, j'espère que ça t'aura plu et ça t'aura fait le plus grand bien. Surtout, pas d'inquiétude si jamais il y a des choses qui te paraissaient trop difficiles. Ça va venir avec le temps, avec la persévérance. On adapte en fonction de nos besoins, de nos envies, de nos objectifs et tout simplement parce qu'on a envie déjà de mettre du mouvement un petit peu plus quotidiennement au sein de sa vie. C'est déjà magnifique, donc on fait aussi avec ce qu'on a et prends soin de toi. Surtout, pense à toi et je te dis à très très bientôt. Ciao!